Hey, bienvenue sur le Toposcope. Juste avant que cette vidéo commence, je voulais remercier la main de Squeezie d'avoir proposé cette idée de vidéo. Et aussi, je voulais vous dire quelque chose d'autre, c'est qu'on s'approche de plus en plus vite des 100 000 abonnés. Et toute l'équipe du Toposcope vous en remercie. Aujourd'hui les amis, on va tenter les 3000 likes en moins de 24 heures. En plus, j'ai vu que vous aviez défoncé la barre des pouces bleus de la vidéo sur les Simpsons, et je vous en remercie tout particulièrement. N'oubliez pas de partager cette vidéo à vos amis et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour recevoir toutes les prochaines notifications de nos vidéos. Allez, passons directement à la vidéo, bienvenue pour ces 5 virus informatiques les plus dangereux en 2016. Numéro 1. I Love You. On commence par un grand classique qui a commencé à se propager au début des années 2000 et qui a déjà fait des millions de victimes à travers le monde. Bien que cette pratique soit bien connue, certains internautes encore naïfs n'hésitent pas à ouvrir la pièce jointe d'un email envoyé par un ami. Intitulé loveletterforyou.txt.vbs, à peine ouverte, le virus informatique caché dans cette pièce jointe modifie les fichiers de l'ordinateur et accède au carnet d'adresses pour s'auto-envoyer à d'autres contacts. Conséquence pour l'utilisateur, un net ralentissement de son ordinateur. Numéro 2. Loki. Le virus Loki cible directement des fichiers portant certaines extensions sur le disque dur et les internautes français et allemands y sont très exposés en 2016. Cette petite merde crypte les fichiers visés pour en empêcher l'accès, tout en supprimant les sauvegardes internes pour bloquer toute tentative de récupération. Les données sont alors immobilisées jusqu'au paiement d'une rançon de plusieurs milliers d'euros pour obtenir les clés d'accès pour ensuite pouvoir récupérer ces fichiers. Numéro 3. Jigsaw. Le virus Jigsaw est particulièrement dangereux dans la mesure où celui-ci ne laisse qu'une seule heure à sa victime pour payer la rançon demandée avant de commencer à supprimer ses fichiers. Le rythme de la destruction augmente ensuite peu à peu à chaque heure passée jusqu'à vider complètement les disques en l'espace de seulement 72 heures. Une vraie petite bombe à retardement. Numéro 4. Freak. Freak utilise une faille de sécurité du protocole TLS, le principal mécanisme de sécurisation des communications sur Internet. Une fois le cryptage cassé, les pirates peuvent espionner les communications du PC infecté et installer des logiciels malveillants. Il peut par exemple se connecter à votre compte bancaire en ligne et le vider en un clin d'œil. Numéro 5. Regain. Regain est une véritable plateforme dédiée au cyber-espionnage qui aurait été créée par la National Security Agency. Il a pour rôle principal de collecter des données et peut prendre le contrôle total d'ordinateurs ciblés. Il permet ainsi d'espionner des conversations téléphoniques, de récupérer des mails, voir en direct ce qu'on écrit sur un ordinateur, prendre des captures d'écran, voler les mots de passe. Actif depuis 2008, il aurait servi à espionner notamment les institutions européennes et l'entreprise de télécommunications Belgacom. Si je peux vous rassurer, seul un antivirus à jour peut bloquer l'infection de votre ordinateur contre toutes ces attaques. Cette vidéo touche déjà à sa fin, n'oublie pas de lâcher un pouce bleu, on tente les 3000 en moins de 24 heures. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et partage cette vidéo à tes amis. Toute l'équipe du Toposcope vous donne rendez-vous demain même heure même lieu pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien, ciao ciao.